Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite Octodad Deadliest Catch. Alors vous ne croyez tout de même pas qu'on avait terminé? Oh ben non, je vous l'ai dit, il nous reste les shorts. Et on va commencer tout de suite par Un amour de papa, puis on fera des ordres médicales. Et si vous avez des suggestions pour le workshop, si vous avez des maps qui vous plairaient que je fasse, dites-le et j'essaierai de les trouver et je les ferai. Alors, à savoir que je viens de mettre le jeu en fenêtré. D'ailleurs, apparemment, il est mal mis. Ah, attends. Tac, tac. Alors. Oui, parce que je viens, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un problème. Du coup, maintenant, le jeu est en fenêtré. En noir. Il y a du cash, chérie. Welcome, sir. What name is your reservation on the... I don't see a... on the list. Coach! Chérie, fais-tu regarder la liste? Il peut y avoir un blanc ou... Il faut sudoyer le maître d'hôtel. Ouch! A savoir que ne venez pas avec votre veste. Tiens, mon bon monsieur. Tiens, prends l'argent. We have a table for two after all. Right this way. Hey, I wasn't done with that. Si. C'est moi qui décide, c'est moi le nouveau dirigeant du restaurant. Excusez-moi. Vous avez ça, mes goûts vanille. Parce que ça a goût cire. Bon, je me casse. Ah, pardon, c'est les toilettes. Ah, voilà. Your waiter will be with you shortly. Parce que sincèrement, je trouve que le mieux à faire dans le restaurant, c'est comme d'aller dans le punch. Lol, il est... C'est la sauce tomate. C'est un scandale. Bonjour messieurs dames, je serai votre poulpe pour ce soir. Ah, ça c'est une jeune femme. Malheureusement, je n'aime pas trop quand vous avez des chaises qui ne sont pas à vous. Petite fille, t'amuses bien. Tiens, va chercher ton assiette. Voilà, on va jouer à qui lance l'assiette le plus loin. J'ai gagné. Vous avez perdu. Bon, je vais rejoindre ma table. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Mais enfin madame, ma femme. Ma femme pourrait nous voir. Et votre mari aussi. Everything looks so good. D'après ce que je... Don't decide yet. I want to try ordering for both of us. Let's see if I've got you figured out yet. Essayez de prendre le menu sans le menu. Hein? You'll find out. Good evening. I'll be taking care of you tonight. Are we ready to order? Oui. Yes. I'd like the sirloin, and I'd like the halibut. Excellent choice. Thank you. Mais, chérie, tu te rends compte de ce qui vient de se passer devant moi? Did I get it? Ce restaurant est tenté. Regarde-le. See, you're not so mysterious after all. J'aimerais bien boire de l'eau, mais l'eau n'est pas à la disposition de la pièce. Évidemment, comme je suis un mari exemplaire, je bois de l'eau, mais dans le... Garçon!
Attends, chérie, je crois que j'ai bloqué le serveur. Je vais le chercher. Bonjour, le serveur. Pardonnez-moi d'avoir bloqué vous. On va prendre la chaise. Chérie, le serveur arrive. Vite, fais comme si on était normaux. Hey, we should toast. You know, clean glasses together. Wish something. Whoops. Ce n'est pas grave, chérie. J'avais justement l'intention d'aller prendre un bain. Okay, hurry back. Vous amusez bien, ça va. Le restaurant est à votre goût. Bonjour, j'emporte votre table. Qu'est-ce qu'il y a sur le voile de la mariée? 0%. Bon, je prends le dessert à emporter, monsieur. Je sais ce que vous allez tous dire dans les commentaires, dire que je suis en train de faire n'importe quoi. Effectivement, mais j'ai pas dit que, mais personne a dit que c'était pas le but du jeu. Dans les égouts, c'est dommage. Il va falloir que je me nettoie. Alors, le mieux à faire, c'est d'ouvrir tous les robinets. Oh, robinet cassé. Bon, je suis propre maintenant. Et j'ai même un petit gâteau. What's the heck, new guy? Oh. Go help out in the kitchen while we clean up after you. Very busy tonight. Ça rajoute du goût. Ça rajoute un peu de goût mentholé, si vous savez ce que je veux dire. Je mélange la sauce, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. Crush those grapes as you would your sworn enemies! Attendez, j'ai les pieds qui sont pris dans les... Là. Ça me rappelle, vous savez quoi, Gordon Ramsay, enfin les émissions avec Gordon Ramsay, tu vois. C'est... Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tant t'es pas en train de me dire que ça c'est les surgelés que tu utilises, ça fait 20 ans qu'on n'en fabrique plus. Et ça là, hein, les linguini congelés, tu sais combien ça coûte, hein? Et tu les mets là, au fond du frigo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dis pas que tu mets des steaks vus à la télé. Dans tes repas. Ah, je suis Gordon Ramsay. Et tes fruits et légumes sont même pas frais. Regarde ça. Je vais devoir prendre le vin et aller le servir moi-même à table, espèce d'abruti. Pardon. Excusez-moi. There you are. I was beginning to wonder if you'd fallen in. Aw, how sweet. But isn't that the waiter's job? Je suis le serveur, madame. Ne voyez-vous pas que j'ai à la main un candélabre? Je prends la chaise et je vais l'amener au père de la chaise. Avez-vous remarqué d'ailleurs que je porte la meilleure cravate du monde, la cravate du papa numéro 1? Parce que je suis le papa numéro 1. Serre-moi à boire. Enjoy. Well, don't just sit there. Let's talk.
Still playing the strong silent type, eh? Don't worry, I've got some icebreakers. Like, what's your favorite book? Salty Hearts. I didn't take you for the romance novel type. Je sais pas qu'est-ce qui fait ce bruit, mais on dirait que c'est mes pieds. J'essaie de beurrer mon pain, chien. Mais apparemment, je me beurre la face. Regarde ça. C'est comme ça qu'on se coiffe. Tu vois, tu prends le beurre, tu le mets sur ton magnifique cortex cérébral et tu l'étales bien. Et ainsi, tu as les cheveux bien gras pour ton premier rendez-vous avec ta femme. Voilà, t'es beurré. C'est celui-là le pain beurré, voilà. Hey, lover boy, take care of the other customers before you get your flirt on. Eh ben, mais je suis pas un serveur. Oui, monsieur, oui. Yes, would you like to share a pizza? Absolument, une pizza. Monsieur, c'est quoi ça ressemble à quoi une pizza? Voilà. Et le couple, il veut une pizza. Pour faire la pizza, ce qu'il faut, c'est la pasta. You're a little wet behind the ears to be waiting tables, but... What the heck? Let's see what you've got. Pardonnez-moi, monsieur, mais il semblerait que je vais vous poivrer. Zizi, monsieur, je prends votre commande. Oh, that's good, thank you. More. A little more. Madame, c'est plus une de la salade. Enough! Not bad. But let's see you serve that fancy cake to the table near the entrance. C'est le dessert que seul l'abominable homme des neiges. Non. It's so beautiful, full of love. Mais vous vouliez pas une pizza? Like our marriage used to be. Chérie, apparemment, je viens d'être engagé dans un restaurant. N'est-ce pas formidable? The waiters have purple stains all over their shoes. I should investigate that. Do you ever get the urge to go through people's stuff to learn everything there is to know? So, what's the most haunted place you've ever been? Really? Submarine ghosts? Ouais, enfin, c'était un requin. Quand j'y repense. Excusez-moi, chérie, je dois aller travailler. Hey, Rook, the chef was looking for you. Watch out! Back to cooking, young apprentice. Hmm.
Mais je vous l'ai déjà dit, il n'est pas frais, votre steak. I smell an octopus. It must be done cooking. Non. There are 37 steps to crafting the perfect cake. I must maintain complete focus. One mistake and bam! Point! If the meat is still moving, it is not tender enough. Ah, avec la poêle, d'accord. Vous savez, je l'ai déjà fait à la maison sur un grill. The art of dough tossing requires a surgeon's precision and delicacy. Alors avec la sauce. Qui espérait venir faire un repas romantique avec ma chérie, il a encore fallu que je sois engagé. C'est à la fois un don et une malédiction. Je suis engagé à chaque fois que je vais quelque part en mode bonjour, je voudrais commander une pizza, c'est genre non. Tu vas dans la cuisine et tu prépares la pizza. Et je comprends pas, moi. Moi, je comprends rien du tout. Moi, je suis juste le poulpe de service. Tu comprends? Moi, je voulais juste un repas romantique avec ma femme. Et moi, maintenant, je me retrouve avec le cuisinier. Mon ennemi juré. Ça pourquoi? Parce que il sait pas faire la vaisselle tout seul. Parce qu'il a besoin de Gordon Ramsay. Par contre, si vous pouvez éviter de remettre les assiettes en haut quand je suis en train de les ranger. Parce que voyez-vous, à chaque fois que je range l'assiette, je touche le four ou alors je touche la poêle. Vous voyez, mon tentacule ne peut pas faire autrement, il doit remettre l'assiette. Voilà, moi tout ce que j'essaie de faire en fait c'est récupérer des trucs. Bon, là on perd beaucoup de temps. Ça devrait être pourtant simple, non? On va vouloir prendre filet. Voilà,
moi placer assiette là, ensuite monter, placer assiette là. Une autre mission, s'il vous plaît. Voilà. Et où est la pizza que j'ai posée? Personne ne suspecte rien. Voilà. A pizza. A pizza. Oh, I can never remember which one is the salad knife. Il faut que je retire le steak, sinon il va cramer. Messieurs, c'est pas votre boulot à vous d'être serveur. Oh, you're not the only one with secrets. I've been doing some digging in Nevada. Tu as trouvé ma famille. Bon appétit. If you could be any kind of animal. Human? That's a silly answer. Eating salad with your hands? Who raised you? Des poules. C'est raciste ce que tu dis de se dire que les poules ne peuvent pas élever des enfants. Et si je te disais que tes enfants ont été élevés par un poule, qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un a ramené ma salade sur la table, c'est génial! Alright, kid, let's see how strong your table clearing game is. Moi! Attendez, j'ai pas fini de manger. Chérie, faut que je te laisse, apparemment j'ai un boulot. Tiens, je te mets ta tête dans ton assiette. Is a natural, a true artist. Watch and learn, boys. Watch and learn. J'ai débarrassé la table. Voilà. On m'appelle El Picasso. Ne te retourne pas, chérie, mais le restaurant est dans un sale état. Enjoy. Oh, ça me démange dans le dos. Oh, if I had to choose, I think I'd pick Venice. Something about the waterways feels so romantic, like a union of land and sea. Alors attends.
Attends, je remets mon poisson dans mon assiette. En fait, là, j'essaie de prendre le sel qui est au sol. Vous pouvez me garder seul tant que je retrouve le sel. J'ai retrouvé le sel. Si seulement je savais où était ma bouche. C'est tellement con. Le mec il mange par terre quoi. C'est, littéralement il n'y a même pas d'assiette, c'est juste il mange. Il a coupé son steak par terre. Je n'ai plus faim. Ah, there's the rookie. The chef needs more help in the kitchen. Chef, on a un problème. My apprentice. Car il a posé toutes les assiettes dehors. Qui est l'imbécile qui a fait ça? Première chose à faire, tu prends l'extincteur. Don't forget dessert! Scarlett, faut qu'on quitte le resto. C'est un monde de dingue ici. Ils ont un poulpe dans la cuisine qui cuisine. J'ai une surprise pour toi en dessous de la table. Oh chérie, voyons, c'est pas le moment de faire des dick pics. This dessert looks great. Care for a taste? It's pretty good, isn't it? C'était tellement con. Mais c'est ça qu'on aime dans ce jeu, quoi. C'est ça qu'on aime, c'est que c'est tellement con que ça en devient indispensable. Ah, voilà. On a réussi. On va maintenant faire désordre médical. Mais c'est tellement con. Remarque que j'ai quelques taches sur mon écran. Tommy, what's this story about? Well, this is a story about Dad. And he's in a wrestling ring. Yay! Yay! I think he's at the hospital. And he's a nurse. Ugh, that's lame. Why can't he be a doctor? No, he's a nurse and he does nursey things. Fine. So he goes to the nurse station.
Vous avez fait tomber ça. Excuse me? J'y suis à la clinique. Salut les gars, gros boulot hein. Un dossier médical. Désolé, mais il semblerait que tu sois pris dans le piège des tentacules. Je cherche un dossier pour mon pa... Ah ! Je crois que je l'ai trouvé, il est là mon dossier. Nurse Dad had to go help all the patients. And then Dad met a patient who was sad and weird. It's bad, isn't it? Oh no! Oh no, is it Chaz? Luporia? The Macarena? You better check my blood pressure to find out! Oh, what about my eyes? Shine lights in my eyes! Alors attendez, pendant que je regarde la télé, est-ce que vous pourriez regarder cette lampe, s'il vous plaît? Am I blinking enough? I feel like I'm not blinking enough. What is it? Oh, give it to me straight, nurse! Voilà. I see. I have... Unicornitis! Unicornitis! Oh, well, that's not so bad. Thanks, nurse. Away! As everyone knows, people afflicted with unicornitis can fly. Bon. And Dad met this one guy who was a jerk. Well, it's about time. My bottom hurts. Adjust my bed, nurse. Régler le lit, mais où est-ce que je peux régler votre lit, monsieur? These melon slices aren't just gonna jump into my mouth. Mon petit Billy, si tu étais un idiot, il faudrait t'inventer. Alors d'abord, je fais une incision 360 degrés. Allez, on fait passons le difficile, hein, parce qu'un patient malheureux, eh ben ça ne va pas du tout, tu vois. Alors tu vas bouffer ça, hein, allez hop, regarde, le petit oiseau va sortir, allez, le petit train, l'avion aussi, encore un, allez on fait pas le difficile, on mange la peau de banane. Vous savez à quel point c'est difficile pour une infirmier, pour un infirmier comme moi, de vous donner à manger. Ward, give me a book. À vos ordres, maître. Réceptionniste, j'ai un patient qui a besoin de soins particuliers. Est-ce que vous avez un roman d'amour? Mais pas n'importe lequel. Un manga roman d'amour, car on a toujours notre passion pour les animés. D'ailleurs, j'ai oublié de faire des références au petit chef. Mais bon, tout le monde peut se tromper.
Tiens, équipe-toi avec. My IV looks low. Change it already. Here. I'm sick of your face. Mais vous êtes un vrai connard. And Dad met this one lady who was really nice. Good morning, Mr. Nurse. If it's not too much trouble, would you mind fluffing my pillow and turning off the television? Madame, vous n'avez pas d'oreiller. Could you fetch me some donuts from the waiting room, please? Here's some money to buy them. Est-ce que je peux me prendre un biscuit? Bonjour. Vous êtes tous témoins. Avec votre lampe là. J'en reviens, monsieur l'assistant infirmier. Tiens, un coup de dans ta tête, tu ne vas pas venir, hein. Thank you so much. What now? He helped all the people. Oh, the phone rings. And on the phone is Dad's long-lost brother. Dad, it's your long-lost brother. I've got terrible news for you. One of your patients is going into cardiac arrest. Patient alert in room 205. Je le tiens. Ne vous inquiétez pas. Je le tiens. Qu'est-ce que j'en fais? It's one of those hospital-y things they say on TV. It sounds illegal! Relever le volet latéral?
Ah, je viens de comprendre. Allez, on y retourne. Bon, en tout cas, celle qui avait les... Comment ? La licornite, elle est partie. Faut que je l'emmène lui. Il faut que j'emmène le lit aussi. J'emmène mon patient. But suddenly, Dad faced a most fierce. Good thing there was a crowbar there to crowbar the door open. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Da 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 da. Regardez, madame, votre mari est en pleine forme, il danse déjà. Il a le temps de mourir trois fois, hein. Je vous préviens, madame. Il ne sera plus jamais le même après cette opération. Ouais, mais j'ai déjà du mal à le reconnaître. Mais monsieur, enfin, on ne regarde pas sous les tables, enfin. Et s'il y avait une toile d'araignée ? Voilà, c'est fait. Comment l'anesthésier ? Ne dis pas qu'il va falloir le frapper dessus avec un marteau. Oh, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Allez. J'avais su qu'il y avait des seringues pleines. Appelez le docteur Nigel. You have pressed all the buttons. Please try again. Paging Dr. Nigel. Dr. Nigel to the operating room. An
and then the doctor came in, and he was famous. His name was Nigel. Scalpel au Dr. Nightshot. Attention docteur, ça coupe. Where does Dad find a bone saw? I don't know, in a box somewhere. Heureusement, j'ai bien fait d'enlever toutes les seringues. I don't know, Stacy. Dad grounded me for a week after my last story. Sports Johnson and the zombie hurricane was pretty violent. It was my masterpiece. Oh, so it turned out the man was a robot all along. So now the surgery can begin. C'est Surgeon Simulator en fait. Moi, Nigel, à quoi servez-vous? Si c'est moi qui doit retirer les piles. C'était un robot depuis le début, mais c'est pour ça que c'était un parfait imbécile. Du robot à Nigel. Mmh.
maintenant je comprends que le robot a fait cette réaction. Imaginez un peu. Passer un robot au rayon X, c'est un peu dangereux. Là, j'ai vu de faire sortir cette machine de là. Oh non! Oh non, c'est un combat de kaiju! Bon, docteur, c'est plus la peine de compter sur moi la semaine prochaine. Moi, j'ai fini. Moi, je retournerai dans un restaurant. Okay, the guy's not a robot anymore. Nigel, mais Nigel, je n'ai pas de bras. And then Dad and the famous doctor. Oh my God. More than once. Attaché au fauteuil roulant. En toute sécurité. Pardonnez-moi, je crois que j'ai perdu un patient. Pardon. Elle m'en veut toujours, celle-là. C'est normal, je suis le meilleur interne de cet hôpital. Allez. Tu rentres là-dedans. Et t'arrêtes. But, the dad caught unicornitis from that alien lady. And the only cure for unicornitis is... jet skis. So he bought us some sweet jet skis. Surgeon Simulator. Le jeu de plateau. Mon dieu, mais je comprends pourquoi mes enfants sont devenus si maboules. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis très bien amusé sur ces deux shorts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et donnez-moi des suggestions d'épisodes de Octodad sur le workshop si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.